وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرين لهم الدين. المستمعون الكرام، المستمعات الكريمات، مرحبا بكم. وبعد هذا الغياب الذي طال، والآن الظروف يعني حتمت علينا أن نناقش هذا الدرس الذي جاء في ظروف استثنائية سنتحدث عنها بعد قليل. مرحبا بكم جميعا تلميذاتي العزيزات، تلاميذي الأعزاء في الأقسام التحضيرية، في التخصصات العلمية، علوم المهندس إلى غير ذلك، وفي التخصصات في تخصصات الاقتصاد والتجارة، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بالسيدات الأستاذات الجليلات والسادة الأساتذة الأجلاء، مرحبا بكم جميعا. مرحبا بالحضور الكريم، يا أهلا وألف مرحبا. نحن في قناة الثقافة العربية والترجمة، وهذا الدرس يهم أقسام السنة الثانية، لكن كل التخصصات toutes les filières. Voilà. Donc مقدم الحصة نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بالأقسام بمركز الأقسام التحضيرية بمدينة الناظور، ثانوية تأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي. Bien, donc aujourd'hui, on va traiter une séance pour la deuxième année, tronc commun. طبعا أود أن أشكر أولا السيد مفتش المادة الأستاذ الكريم جلال الحكماوي، فقد يعني في بداية هذه السنة تم اقتراح أن كما تعلمون فإن السنة الأولى كان عندهم في إطار مادة الثقافة والترجمة، كان عندهم يعني شق مشترك، شق من المقرر مشترك. Donc c'est un tronc commun. Et bien maintenant,
ce tronc commun va être également appliqué pour la deuxième année. C'est-à-dire, les deuxièmes années également, et elles auront un tronc commun pour le premier trimestre. Et bien maintenant, c'est la première unité. Comme vous savez déjà, elle est constituée de deux versions et de thèmes et une expression écrite. Et bien maintenant, les trois premières leçons devront être traitées durant septembre en cours, mais à distance. Et bien, c'est l'occasion pour nos élèves, pour les professeurs, etc., pour discuter ces leçons qui seront mises en ligne sous forme de capsules vidéo sur la chaîne YouTube. Bienvenue, bien sûr, je commence premièrement, tout d'abord, je commence par vous souhaiter la bienvenue et j'espère que vous allez très bien, vous et vos proches. Et surtout, j'espère que vous êtes en bonne santé parce que la pandémie continue de ravager, continue de faire des dégâts. Allah yahdar salama, Allah. Bien, donc, c'est la première unité. C'est-à-dire le module, le premier trimestre, constitué de deux unités. Celle-là, c'est la première unité. Et c'est la première leçon, la première séance. C'est une version terrible. Donc le texte est intitulé Les derniers hommes de Achille Mbembe. Voilà, donc on va traiter ce texte. C'est une version. Bien pour les objectifs, l'objectif général, se familiariser avec le postcolonialisme. Regardez que le postcolonialisme, c'était le thème de la deuxième année pour les scientifiques, MP et Psi et Tsi. Mais maintenant, c'est le module qu'on va traiter de manière commune, donc c'est un tronc commun pour la filière économique et commerciale également. Bien, donc pour l'objectif spécifique, on va voir comment rendre en arabe l'imparfait. Hein? Parce que le texte, comme vous allez constater, est très riche en ce qui concerne l'usage de l'imparfait. Et on va voir l'importance de l'usage de l'imparfait dans ce texte. Eh bien, la méthodologie, vous le savez déjà. Donc, tout simplement, je vais essayer de faire un petit rappel. Voilà. Ensuite, on passe au support. Je lis le support. Les derniers hommes. Au-delà de son ambivalence et par-delà l'extraordinaire diversité de ses formes et de ses contenus, la colonisation moderne était l'une des filles directes des doctrines qui consistaient à trier les hommes et à les diviser en deux groupes, ceux qui comptent et que l'on compte, d'une part, et le reste, d'autre part, ce qu'il nous faut appeler les résidus d'homme ou encore les déchets d'homme. Les premiers, les maîtres, étaient les derniers hommes. Ils cherchaient à ériger en loi universelle les conditions propices à leur propre survie. Ce qui caractérisait le dernier homme, c'était sa volonté de dominer et de jouir, de conquérir et de commander, sa propension à déposséder et, s'il le faut, à exterminer. Le dernier homme invoquait sans cesse la loi, le droit et la civilisation, mais il opérait précisément comme s'il n'y avait de loi, de droit, de civilisation que sien. Cela étant,
aucun des crimes qu'il était amené à commettre ne pouvait être jugé au regard de quelque morale que ce soit. Rien n'appartenait à qui que ce soit d'autre qu'il ne puisse prétendre obtenir par lui, que ce soit par la force, la ruse ou la tromperie. C'est enfin le poids qu'il accordait à la préservation de soi et la peur qu'il cultivait à l'égard de toute puissance, assez grande pour protéger de façon autonome le fruit de son travail et sa vie. Incapables de s'engendrer eux-mêmes, les autres, c'est-à-dire les déchets d'âme, étaient appelés à se soumettre. Ayant renoncé à la lutte, ils avaient pour rôle de porter le malheur des premiers et de s'en plaindre sans fin. Ils épousaient si bien ce rôle qu'ils finissaient par porter cette interminable lamentation comme le dernier mot de leur identité. Et dans la mesure où l'idée d'égalité universelle et d'équivalence entre les hommes, dogme des faibles, appartenait en vérité à la religion sous forme de nécrose de la pitié, c'est l'idée même de la morale qui devait être abolie. Elle devait faire place à la foi dans son propre droit, le bon droit, qui ne s'autorise pas seulement de la force, mais qui en outre se complaît dans l'ignorance et la bonne conscience. Or, nous sommes loin d'être sortis de l'ère du bon droit qui s'autorise de la force, de l'ignorance et de la bonne conscience, et dont le colonialisme constitua l'apogée. La nôtre est une ère qui tente de remettre au goût du jour le vieux mythe selon lequel l'Occident a seul le monopole du futur. Achille Mbembe, Sortir de la Grande Nuit, Essai de l'Afrique décolonisée 2013, Paris, édition La Découverte, pages de 216 à 218. Commençons le traitement mis en situation. Qui est Achille Mbembe? Voilà, donc Achille Mbembe, né le 27 juillet 1957 au Cameroun, est un théoricien du postcolonialisme, philologue, historien, politologue, historien et enseignant universitaire camerounais. Ses principaux centres d'intérêt sont l'histoire de l'Afrique, la politique africaine et les sciences sociales. Il est notamment l'auteur à la découverte de sortir, c'est-à-dire qui a été publié par l'éditeur Découverte, de sortir de la Grande Nuit 2010, Critique de la raison nègre 2013, Politique de l'inimitié de 2016 et Brutalisme 2020. À quoi peut référer le titre « Les derniers hommes » Donc, le titre « Les derniers hommes » peut référer aux colonialistes. Voilà, continuons. On passe à la deuxième partie, lecture, analyse et compréhension. Donc, toute lecture faite. Composante énonciative. Qui parle dans le texte? Quel est son public cible? Voilà, donc, Achille Mbembe, bien entendu, le lectorat de l'ouvrage Sortir de la Grande Nuit. Composante textuelle. Quel est le genre du texte? Quel est son type? Quel est son temps? Donc c'est un essai philosophique. La tonalité ironique, elle est très présente dans le texte. Présence d'antithèse, donc figure de style antithèse, il y en a dans le texte qui montre qu'il s'agit d'une tonalité ironique. C'est l'ironie. Donc, c'est un texte argumentatif.
La composante thématique, l'idée générale du texte. Comment la colonisation moderne répartissait les gens? Voilà, donc, il vise à, au fait que la colonisation dans tous les aspects, donc, c'est-à-dire, non, donc, la colonisation répartissait les hommes en deux grands groupes. En deux grands groupes. Il y a un groupe de les colonisateurs qui compte et que l'on compte. Dans ce cas, on va voir le verbe compter, ça ne veut pas dire hisab ou bien quelque chose comme ça, mais dans ce cas, ceux qui comptent. On dit ceux qui comptent, ça veut dire ce qui est important. C'est-à-dire les hommes, les vrais hommes. Les autres ne sont pas des hommes, mais les colonisateurs sont des hommes. Ils comptent. Et que l'on compte, ça veut dire, yani, كما سنرى نترجم هذا التعبير ب يضرب يحسب لهم ألف حساب ويعتد بهم. Et bien les autres, l'autre type, ce sont les résidus d'hommes, حثالات البشر, ou encore les déchets d'hommes, بقايا البشر. Donc, c'est une répartition un peu choquante. Voilà, maintenant, passons aux idées essentielles, ou bien aux idées secondaires. Pourquoi les premiers, les maîtres aujourd'hui, étaient les derniers hommes? Alors, regardez, il y a ici une contradiction, un paradoxe. Eh bien, car ce sont les derniers arrivés au pays colonisé. Ils ont une culture autre que celle des indigènes. Culture de dominance, de pillage, de vandalisme et de répression. Donc ce sont les colons, voilà, les colonialistes. Très bien. Donc c'est pourquoi ils sont les derniers, mais ils sont les premiers en même temps. Ils arrivent les derniers au début, mais ils sont devenus les premiers. Voilà. Donc c'est le paradoxe du colonialisme. Comment les colonialistes comprennent-ils la loi, le droit et la civilisation? Donc, lorsque vous allez lire le texte comme il faut, donc vous allez vous rendre compte tout de suite que ce sont des outils, la loi, etc. Ce sont des outils nécessairement à leur service et utilisés pour préserver leur entité colonialiste. Et d'ailleurs, on va voir que la loi, c'est leur loi seulement. Le droit, c'est leur droit seulement. La culture, c'est leur culture seulement. Voilà, très bien. Continuons. Comment l'auteur caractérise de manière ironique les colonisés ou les autres? Et où les autres? Donc, cette caractérisation, vous allez la constater selon le texte. Ils n'ont pas de choix que de se soumettre aux colonisateurs sans aucune lutte. Donc ça c'est les colonisés. Ils n'ont pas d'autre choix de se soumettre. Mais bien sûr, ce qui doit être réellement ce que veut l'auteur, c'est que ces colonisés doivent révolter. Ils ne doivent pas donc rester comme ça dans cette situation. Voilà, c'est pourquoi il y a de l'ironie. Que vise l'auteur en utilisant l'imparfait dans le texte? Donc, vous allez constater qu'il y a l'imparfait dans le texte. D'ailleurs, il est coloré en rouge. Donc, il vise au fait que le colonialisme, dans tous ses aspects, doit être un phénomène révolu. C'est-à-dire, les colonisés ne doivent plus être soumis aux colonisateurs, plus des déchets. Ils ne doivent pas, donc, on ne doit pas
on ne doit pas appeler les autres hommes les déchets. Eh bien, ici, c'est le principe de la décolonisation. Tasfiyat al-istimar. Bien, on continue. Voilà maintenant les tournures linguistiques. Donc, j'ai préparé quelques tournures linguistiques, s'il le faut. إذا لزم الأمر, donc on peut voir, donc سياق, sa propension à, donc s'il le faut, à exterminer. إذا لزم الأمر, donc تصفية, تصفية الجسدية, etc. Cela étant, c'est un lien logique, donc cela étant aucun de ces crimes, etc. وما دام الأمر كذلك, هكذا نترجمها, حسب السياق, remettre au goût du jour vers la fin du texte, تعني تعيد إلى الموضة تعيد إلى الموضة voilà très bien continuons le lexique et la terminologie colonisation moderne donc l'istimar hadith qui compte et que l'on compte on l'a déjà vu يحسب لها ألف حساب ويعتد بها voilà résidu d'homme ou déchet d'homme un peu choquante donc cette appellation بقايا الناس أو حثالة البشر يعني المستعمر هو سيد البشر والمستعمر هو حثالة البشر زيد ناقص voilà très bien donc on continue le phénomène syntaxique donc c'est l'imparfait, bien sûr l'imparfait, donc on le traduit généralement en arabe par kana zaid par la formule kana zaid al mudari. Très bien, donc maintenant on va passer à la traduction. Donc premièrement on va traduire le titre et le premier paragraphe. Les deux derniers hommes, au-delà de son ambivalence et par-delà l'extraordinaire, etc., etc. الرجال الأواخر علاوة على ازدواجيته وفضلا عن التنوع العجيب الغريب لأشكاله ومضامينه كان الاستعمار الحديث إحدى صنائع المذاهب التي كانت تعمد إلى فرز الناس وتقسيمهم إلى مجموعتين مجموعة يحسب لها ألف حساب ويعتد بها وأخرى وهي البقية التي علينا أن نطلق عليها بقايا الناس أو أيضا حثالة البشر. Bien maintenant une proposition de traduction. Lisez en même temps le texte en français à gauche et je lis moi la traduction à droite. كان الأوائل الأسياد هم الأواخر كانوا يسعون إلى سن قانون كوني يضمن لهم الشروط المثلى لحياتهم الخاصة وما كان يطبع الرجل وما كان يطبع عفوا الرجل الأخير هو إرادته في السيطرة والاستمتاع في الاستعمار والتحكم ونزوعه نحو السلب والنهب والإبادة إذا لزم الأمر ذلك وكان الرجل الأخير هذا يستحضر دوما القانون والحق والحضارة لكنه كان يتصرف بوضوح كما لو لم يكن في الوجود إلا قانونه وحقه وحضارته هو وما دام الأمر كذلك فلم يكن من الممكن الحكم على أي جريمة من الجرائم التي كان يقدم عليها من منظور أخلاقي مهما كان ولم يكن بمقدور الآخر أن يمتلك أي شيء مهما زعم أنه حصل عليه سواء أحصل عليه بالقوة أم بالحيلة أم بالخداع وكان يتميز أخيرا بالأهمية التي كان يوليها لأجل صيانة ذاته وبالخوف الذي كان ينتابه من كل سلطة متنامية قد تصرفه عن صيانة ثمرة عمله وحياته بصفة مستقلة أما الآخرون حثالة البشر الذين تعوزهم القدرة على توليد ذواتهم لم يكن بمقدورهم إلا أن يخضعوا وينصاعوا
وبما أنهم تخلوا عن المقاومة فقد كان دورهم هو تحمل البؤس الذي يذيقه إياهم الأوائل والتشكي منه إلى ما لا نهاية، وقد كانوا يتناسبون مع هذا الدور إلى حدود أنهم ينتهي بهم الأمر إلى تلبس هذا النحيب الصرمادي بحيث يصبح الحصيلة النهائية لهويتهم. لاحظوا كيف يحضر هنا دوك لي غوني أو السخرية، يسخر منهم لأنهم خصهم يتحركوا، خصهم يقاوموا المستعمر. وبما أن فكرة المساواة الكونية والتكافؤ بين الناس عقيدة الضعفاء كانت تنتمي في الحقيقة إلى الدين على شكل منخدر الشفقة، فإن فكرة الأخلاق في حد ذاتها هي التي كان يلزم أن تستعصب. هذا المستعمر لا يعرف الأخلاق، لا يعرف الأخلاق، يعرف الفلوس فقط. كان ينبغي أن تترك مكانها لفكرة الإيمان بالحق الخاص، الحق المقدس، حقه هو حق المستعمر الذي لا يبيح فقط استعمال القوة بل ينغمس في الجهل والضمير الحي. والحال أننا لازلنا بعيدين عن الخروج من مرحلة الحق الشرعي الذي يجيز لنفسه استخدام القوة والاعتماد على الجهل وعلى الضمير الحي، والذي ما زالت الكولونيالية تحمل مشعله. ومرحلتنا هي مرحلة تحاول أن تعيد إلى الموضة الخرافة القديمة التي بها يمتلك الغرب لوحده زمام المستقبل. أرشيل مبامبي، الخروج من الليل الكبير، مقالة حول إفريقيا التي صفت الاستعمار، 2013، باريس، منشورات لادي كوفيرت، الصفحات من 216 إلى 218. Bien, donc merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Tabqaou ala khair wa ila al liqa'.